Ils sont de trois ordres, économiques, sociaux, environnementaux. Alors je commencerai par l'enjeu environnemental, parce que les Outre-mer représentent 87% de la biodiversité française, donc de notre archipel France, la métropole, plus les Outre-mer. Donc cet enjeu est très important, parce que la question de la mine versus la protection de l'environnement n'est pas facile à traiter. Et on l'a vu au fil des années. Bien sûr, il y a un enjeu économique fort, parce qu'il y a certains territoires d'outre-mer qui comptent sur la mine pour se développer, pour développer une activité économique soit nouvelle, soit régulée, soit faire continuer la mine sur de nouveaux métaux, comme en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, ou même des futures mines sous-marines. Et puis, il est bien sûr social, voire sociétal, car dans nos territoires d'outre-mer, nous avons souvent de gros conflits entre les populations, l'activité même minière, et puis la culture. On le voit par exemple en Guyane avec l'ONU qui vient de redresser la France et d'alerter la France sur le problème de la montagne d'or et de ce projet qui ne respecte pas les traditions ancestrales de lieux d'enterrement et de lieux de repos des anciens. Et ça, pour les populations locales, c'est absolument impensable qu'on viole des sanctuaires pour développer une activité aurifère. Alors là, on vient de parler de la Guyane. Donc la Guyane, c'est surtout une mine terrestre qui est pour la plupart consacrée à l'or. Alors il en existe plein, il en existe des légales et puis malheureusement, il en existe beaucoup d'illégales, sachant que la plus grande partie de la Guyane est dans un parc, est classé parc national, vu la richesse de sa biodiversité. Donc il s'agit de réduire la part illégale de la production d'or, et puis bien sûr, dans la part légale, d'essayer de faire en sorte que ce soit des sociétés minières guyanaises qui les portent, et au bénéfice de la population, donc avec une forme d'association de la population bien en amont, et aussi avec des services experts en la matière qui puissent se développer aux côtés des services de l'État et des collectivités guyanaises pour regarder comment on peut extraire dans des bonnes conditions. Je dirais que c'est la même chose en Nouvelle-Calédonie, mais la Nouvelle-Calédonie a un passé minier bien plus long que celui de la Guyane, puisqu'il est extrait du nickel depuis 150 ans. Et depuis 150 ans, ils ont su développer des formes de meilleure connaissance de leur environnement, du minerai, au travers d'associations, d'observatoires, de centres techniques, etc. Donc ils ont une meilleure connaissance de l'activité minière. Néanmoins, même si la Nouvelle-Calédonie reste un des principaux pays qui a un stock de nickel important, par la suite, il va falloir charrier de plus en plus de terres pour trouver le minerai. Et donc, ça va avoir des conséquences très importantes à la fois sur le coût d'exploitation, mais aussi sur la volatilité des substances et des poussières qui va se diffuser dans l'environnement, et notamment en lien avec le classement à l'UNESCO des lagons de Nouvelle-Calédonie qui sont absolument merveilleux. Ensuite, il y a la question de la mine sous-marine, puisqu'en fait, grâce à nos Outre-mer, nous avons 11 millions de kilomètres carrés de zones exclusives maritimes. Et bien sûr, dans cette zone exclusive, on a prospecté et on a vu qu'il y avait des métaux qui pourraient être intéressants à aller extraire. Maintenant, il faudra encore beaucoup d'études pour voir dans quelle mesure ce sera intéressant, parce que tout ça est éparpillé dans un milieu qui est très très profond, hein. C'est jamais à moins de 3 à 5 000 mètres de fond, et puis c'est dans un milieu
totalement ouvert et aussi très riche en biodiversité. Donc il faudra faire un vrai choix de société entre les minerais et sans doute les ressources génétiques marines qui pourront être aussi des sources de développement pour ces territoires. Alors justement, pour imaginer un futur qui soit souhaitable à la fois pour tous ces territoires et pour tous les habitants, l'association des parties prenantes est absolument nécessaire pour que les projets, s'il y en a, puissent être réfléchis et même sans doute qu'on puisse y trouver des alternatives de développement. Et c'est pour ça que dans notre contribution, nous parlons de deux exemples qui sont d'un côté Wallis et Futuna et de l'autre le projet de Polynésie française sur leur territoire sous-marin. Et c'est une approche très intéressante parce qu'elle a été commandée par le gouvernement en place de Polynésie à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, qui a associé toutes les parties prenantes dès le départ à un collège pluridisciplinaire de scientifiques. Scientifiques aussi bien en sciences sociales, puisqu'elle a été pilotée par un anthropologue, mais aussi en sciences de la vie et de la terre, en biologie marine, en océanographie, en économie, en fiscalité. Et donc, tout le processus a été décortiqué de si on va chercher des métaux au fond, voilà ce qu'on risque d'avoir comme gain, mais voilà aussi ce qu'on risque d'avoir comme effet de court, de moyen, de long terme. Et en étudiant aussi la biodiversité autour des sites intéressants, qui leur semblaient intéressants, ils ont vu que c'était une biodiversité extrêmement rare qui pouvait être aussi très intéressante peut-être à étudier plus profondément pour une forme d'exploitation de ressources génétiques. Donc, ils ont remonté ces informations au gouvernement polynésien et à la population associée. Et puis, ils ont pu débattre de l'intérêt d'aller plus loin dans les études, parce que de toute façon, avant d'exploiter, il faut aller beaucoup plus loin. Et voilà, donc le processus est en cours. Les choses se discutent avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le jour où ils décideront d'y aller ou pas, ce sera un choix commun. Ce ne sera pas un choix dicté par un gouvernement. Là, ce sera vraiment un choix fait par les habitants. Et ça s'est passé de la même façon à Wallis et Futuna. Et pour l'instant, l'État français n'a pas décidé qui avait la gouvernance dans la zone exclusive maritime de Wallis et Futuna. Donc là aussi, il y a des questions juridiques qu'il faut épurer. Et c'est tout l'enjeu aussi des Outre-mer, mais aussi de la métropole, sur la responsabilité que prend l'État français sur la question de ces métaux stratégiques.